Bonjour à tous. J'enlève mon chapeau devant ce bâtiment, cette usine magnifique. Nous allons la visiter ensemble. Je viens de faire la connaissance d'un autre monsieur, Dieu qui fait du l'urbex. On se trouve ici. Alors lui, il fait que des photos. J'ai cru comprendre qu'il était américain. Donc on va visiter ce bâtiment qui est, excusez-moi l'expression, fantastique. Regardez la grandeur de ce bâtiment. On va passer donc par une petite porte dérobée. Il y a quand même des caméras, mais il m'a rassuré en me disant que les caméras ne s'occupaient pas trop des gens comme nous qui rentrons. Mais regardez la grandeur de ce site. Regardez. Il est, je dirais bien, magnifique, fantastique. Donc, je vous propose de faire la visite de ce lieu ensemble. On va faire la partie avant et arrière. Sous les yeux donc de l'Angleterre, je suis donc à Liverpool, je suis sur les quais, je suis à Regent Red pour être précis. Alors, vous trouvez le numéro. Il y a beaucoup de bâtiments abandonnés ici, mais la plupart ne sont pas accessibles. Alors, j'étais venu ici à Liverpool il y a 10 ans, il y en avait encore plus accessibles, mais apparemment leur patrimoine les intéresse plus ou moins. Donc ce qui fait qu'ils sont en train de plutôt de tous les mettre à regarder cette envolée, je ne dirais pas d'hirondelle, parce qu'on est le 1er janvier. Mais ils sont en train d'abattre ce patrimoine. Je rappelle que Liverpool a perdu son classement à l'UNESCO des villes, enfin de son fameux port. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des constructions qui ont déplu fortement à la structure de ce port qui est magnifique. Alors tenez, vous avez même la publicité pour un groupe là. Donc nous, on va visiter cette maison en passant par une petite porte dérobée que voici. Vous allez la voir ici. Regardez. Alors c'est une porte qu'on va appeler une grille. C'est par là que l'on va rentrer. Donc suivez-moi dans cette exploration. Pensez à vous abonner. Urbex, alors que c'est Urbex dit Clément. Également Instagram, vous aurez des photos, je pense, cet auteur. Merci pour tous. Allez, allons-y pour l'exploration. Voici dans un lieu, on va définir de particulièrement photogénique, de l'urbex. Regardez ces anciens laboratoires abandonnés depuis, je pense, des dizaines d'années. Alors, je vais essayer de vous conter un peu l'histoire de cette ville. Son apothéose dans les années 30, après la partie industrielle du 19e siècle, lui a permis d'avoir jusqu'à 900 000 habitants. Aujourd'hui, connu pour son football, une équipe apparemment hors du commun. Je ne comprends rien au football, je n'y connais rien et puis ça ne m'intéresse pas au passage. Mais bon, l'équipe de foot est très connue, c'est difficile de ne pas la connaître. Je suis à une trentaine de kilomètres de Manchester, à l'ouest, un ancien port industriel qui a été déclassé à l'UNESCO pour les travaux qu'ils ont faits sur son port. Où suis-je? Liverpool,
Je suis dans la ville superbe de Liverpool, où une multitude d'ateliers, de bâtiments, de laboratoires comme ça sont là. Depuis la nuit des temps, regardez, vous avez encore les tiroirs, une des vies professionnelles qui était ici. Je vous invite à me suivre dans cette exploration de cette factorise. Alors, je ne sais pas si c'est une factorise qui est immense ici, donc en Angleterre. Et nous allons aller visiter ce lieu ensemble. Pensez à vous abonner sur la chaîne YouTube Urbex Guy Clément. Vous avez Instagram aussi. Vous aurez des photos, je pense, magnifiques de ce lieu. Suivez-moi dans cette exploration. Nous ne faisons que débuter. À tout de suite. Thank you.
Donc nous voici à l'étage de la, si je puis dire, de la mezzanine, où il y a la cantine, où il y a les bureaux administratifs et le laboratoire. On va continuer la visite. Alors je ne vais pas aller là-bas parce que j'ai vu que le sol était affaissé et j'ai pas envie de faire une chute de 400 mètres. On continue ? Merveille. Je crois que la beauté se suffit d'elle-même, comme je dis. Regardez, une ancienne usine abandonnée ici en Angleterre. Alors où suis-je? Je suis donc à Liverpool, sur le quai de la Régence. La Régence, ça fait français, mais là il faut dire à l'anglaise, évidemment. Suivez-moi, continuons cette exploration. Pensez à vous abonner sur la chaîne YouTube. Pour moi, c'est valorisant et puis surtout, ça vous permet de mettre des commentaires, ce que vous appréciez, ce que vous souhaitez que je fasse, ou que je m'améliore également. Merci.